sou pas konn konbe l'ajan m fè a Laurent Lamotte, ben m'explique ou ki kantite l'ajan m fè a monsieur. M di monsieur pi gros kontra m fè nan vim, c'est Laurent Lamotte ki m fè bèl. Et Laurent Lamotte fè m fè kontra sa récemment là entre fin 2015 début 2016. Et là ça Laurent te gata kite c'est ça relé l'état, Laurent pas premier ministre encore. M di pi gros kontra m fè nan vim c'est Laurent fè m fè Laurent Lamotte. À l'époque, Laurent pas nan gouvernement. Il dit, monsieur, ça, si vous dites, vous voulez ma bon chiffre, ma bon montant, mais c'est un montant extrêmement intéressant. Il dit, vous avez besoin de réaliser ça, bon nouvelle. Il dit, ça, vous voulez. Parce que moi-même, c'est seul nec qui bat information sous tête moi. C'est la première fois, m'bral, fait consultation, montrer plan de communication pour équipe Bidjo, et pour ça, et pour la phyto. C'est Laurent qui fait m'venir contre ça. Ça veut dire que je dis que je besoin de réaliser ça. Mais je vais finir, je dis que je vais passer. Ça, c'est dossier PAM. Et je dis Frankie, Pierre Frankie existe. Dans le bureau, côté M. Théa, M. Pagan, rien qui a fait rentrer dossier ça. Ça, c'est dossier PAM. C'est Ligue Bralbam et l'un. Parce que qui ça passe? Ou bien choix, entre peut-être, négarer l'eau pas là ou abandonner, ou bien le faire brasser ensemble avant, ou bien entendre l'argent avec vous. Et ou prendre dossier ya, ou traiter dossier et pour diffuser. Eh bien, ça qui est plus important, ça qui ben est niveau, c'est des dossiers, ça justement. Et nous songez, dans une interview avec Marie-Hélène Gilles, c'est dans l'interview, ça justement, Marie-Hélène Gilles d'abord crié pour l'expliquer, parce que Marie-Hélène Gilles dit tout, il subit un pile dans RNDDH. Depuis là, nous connaissons qui Jean-Pierre Espérance ouem. Et dossier ça bral fait me perdu un bon partenaire on est quitté que nous développé de très bons rapports ensemble c'est Jean Mouna les m'a traité un dossier Jean Mouna dit Guerri Henri Frem protéger Pierre pour moi me dit Jean Mouna négatif pas aucun monde qui a protégé parce que ça son cas de corruption avéré nous Marie-Hélène crié il courir ba démissionnaire en DDH. OK moi fin présente un dossier comme ça qui suivi pas rien fait comme suivi non. Qui ça fait comme suivi? Absolument rien. Et ça qui va le plus dur, c'est le Cour supérieur des comptes produit un rapport pour dire que 1 million de gouttes ça, BM pas de bail, RNDDH, RNDDH t'es bien dépensé. Est-ce que nous, on aurait dit, voilà. Cour des comptes produit un rapport favorable pour dire que RNDDH t'es bien dépensé l'argent. Tandis que si on est cap monté dans la radio, caloné mon en veux-tu en voilà. Et puis, les joints médias cap bal espace pour le parler. Vous comprenez? Son résolier. Il fait ça n'a fait résolier, mais ça me connaît c'est que dans pays ça, tout le monde connaît qui monde qui est. Moi-même je suis fier de moi-même, moi connais ça me vaut, moi connais ça me café, moi connais j'aime ça fonctionner et puis me connais tête moi. Mais il y a des gens ici, même si on a corruption, on a des gens qui ont couvert pour eux. Comme si pour moi, le dossier ça passé là. Et puis, pour Pierre passer belle, la Cour des comptes font un rapport pour lui, pour lui dire qu'il a bien dépensé l'argent. Haïti ça. Et pour un pays petit, non? Kounya, le un journaliste constate un fait de corruption, fait avéré. Lorsqu'on dit ça dans la radio, automatiquement, on crée des ennemis. Mais par aucune suite qui fait avec elle. Par aucun suivi qui fait des cas de corruption que des journalistes décident de venir parler de eux dans la radio, venir présenter eux dans des émissions, par exemple, qui fait. Et puis, on dit que journalistes participent dans le cas des pays, mais l'homme dit ça, à part un cas de Pierre Espérance, ça qui fait. Je dis à Pierre Espérance, monter dans la radio, le doux consacré. Comment est-ce qu'il s'appelle? Jeunesse Muscadé, après quoi ne m'est-il appelé? C'est deux mouns qui sont capables de bonnes informations comme ça. C'est soit c'est Jeunesse Muscadé qui dit que s'il appelé sur le bon cop, ou bien c'est-il appelé Rélie Pierre Espérance, c'est Pierre Espérance, moi j'aime bien M. Cop. Une ou l'autre. Ça, c'est pour me dire que, en pile fois, journaliste fait job li.
mais par aucune autre instance. Je me suis dit, je parle avec le directeur ULCCA. Je dis, oui, effectivement, Pierre-Espérance Gondou, RNDDH Gondou, c'est là. Mais mon cher Bala, la Cour des comptes crasée, parce que la Cour des comptes sort un rapport favorable. Et depuis la Cour des comptes sort un rapport, je ne vais pas faire encore. Toujours gagner réseau en Haïti. Ou même ça qui arrive au bar, il y a un contact. Et pour tomber dans la corruption, il y a un retour. Mais toujours gagner des réseaux. Il y a un juge, il y a un commissaire gouvernement, il y a un conseiller dans la Cour des comptes, il y a tout le cas, il y a un monde dans la finance, il y a un monde dans le DG, il y a un monde dans la douane. Ça veut dire que c'est gros réseau là. Et des gens qui ne peuvent pas manger, les gens qui sont des intouchables que oui. Mais moi-même, je suis un nègre qui assure que ça m'a dit correct là. Ça, c'était le cas Pierre-Espérance. Dossier BM PAD. 1 million de gourdes que coup de compte RNDD acheté bien dépensé l'argent, bagage, etc. Rapport bas et puis c'est bon. Bon. Ok, merci, monsieur, pas un problème. On est en Haïti. Hier, je m'étais questionné et interrogé. Je m'étais cité non 3 conseillers présidentiels. Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire. On te pose aux questions. Est-ce que nous au courant que on a fait l'argent que t'es parlé dans une rencontre qui t'est faite dans l'hôtel dans Pétionville et t'es gon chiffre de 100 millions de gouttes demandé pour moun kembe poste. Ce soir, moi prends temps, moi relé des moun et me parler à moun qui était dans rencontre là qui dis-moi, mais ça bagarre là, effectivement. En Haïti, il y a un proverbe créole qui dit j'ai bouche paix. Aux États-Unis d'Amérique, dans la ville Fort Lauderdale, il y a un aéroport international. Chaque fois m'a voyagé dans l'aéroport ça, gon phrase que m'tendez. If you see something, say something. Non pas phrase m'tendez comme ça. Depuis m'rivé dans l'aéroport là. If you see something, say something. Sou on bagay dil. Qui c'est contraire à la caille nous. J'ai ouais bouche pe. Et ça, c'est lui-même qui a mené nous côté ni là. Communauté, zone, qu'on est gon nèg là, qui gon zam illégal, personne moun pa dénonce le tout moun pe. Zafè moun pa zafèm. Che ouè, bouche pe. Et puis, bah, la grandi en bas, vant nous là. Jusqu'à ce que yo fout tout nous tout de yo. Mes amis, le mot fout, désolé. Depuis hier, moi, ça, m'baronne, c'est anti-gens, c'est m'baronne, non? M'prie dans grâce pour m'excuser. Mille excuses, je vous prie de m'excuser. Désolé. Oui. Après ça, n'a décidé de mettre tout dehors. Mais tout le monde dit, ouais, que t'as grandi, non, j'ai tout le monde là. Mais tout le monde fait silence. Mais, yo apprenne, ti américain, yo apprenne, citoyen américain. If you see something, say something, il y va de, sécurité pour ou même comme moun sou on bagay di so wè a. Mais pour qui ça nous on bagay nous pas ka dil? Pour qui ça nous constate n'ap gade l, je n'ap kale n'ap wè bagay et tout fè silence. Nan l'école américaine yo ou bien l'école européenne yo, le gon ti moun ki fon ba nan klas yo di ki est-ce ki fèl? Intel qui fait. Yo la culture ti moun nan yo tout apprenni faut prendre responsabilité. Et des fois ça pas même arrivé que ti moun nan kite yo dénoncer, il dit oui c'est moi qui fait. If you see something, say something. A fait j'ai bouche pa fon banil. Il y va de sécurité pas nous. De l'avenir nous parce que en fait chaque fois des nègres dans l'État paraît comme gros volets,
Sou pas dénoncer demain si Dieu veut, ben la privé sou. Et nous pas jamais faire ça. Tout le monde est pour le bagay là. Tout le monde est plein. Songez, me dit nous dernièrement, si un homme ou bien une femme voulait tout bon vrai, vivre en Haïti, faut participer dans tout ça qu'a fait dans le pays. Ou bien on dit, m'pas en Haïti encore, m'baye vague. Le 25 mai 2024, le président du conseil de la BNH, de la BNC, excusez, recevoir un appel de 11 000, au monde qu'on habitue par la veille, Gérald Gilles. Les messieurs, par la monsieur, etc. Nous besoin de frontières, quand nous besoin, ouais. Même 25 là, entre 1h et 1h30, yo prend rendez-vous dans l'hôtel selon un témoin qui était là. Effectivement, rencontre ça, te gagné 5 moun qui étaient présents. 3 conseillers, président et un autre citoyen qui était là. Pendant un court là, discussion, parler. Et puis, a fait l'argent évoqué. Parce que mon cher, ou bougé l'argent, etc. Et, n'a pas de montre au bagay, ou qu'un poste à la, n'a pas de causer l'argent, parler, on parle de 100 millions de gouttes. Youn n'a pas de montre là, dis-moi, président, conseil la saisi le temps de base. Elle dit, monsieur, écoutez, vous venez tout là, je vous ai parlé là. Ah, mon chogé. Je dis, non, mon cher, je vais comme ça même. Mais c'est la banque, l'argent, parce que l'argent, et l'argent contribuable. Ah, mon chogé, vous venez tout quand même. Et puis, parler. Comme c'est des conseillers qui l'ont dans l'espace là. Monsieur Doué, quand même, pas information, parce que ce sont des conseillers, ce sont des présidents. Je décide pas information sous, mais qui j'aime bien, c'est fonctionner. C'est bon que tout le monde a mis bon argent, mais ça gagne, par exemple, non banque, mais ça avantage, on est qu'à jouer non banque, mais tel bagay, mais tout ça, yo, quel que soit son joueur, lui mettre ses crédits, lui mettre ses prêts, sous yo prêt ton argent, faut remettre. Si yo bon carte de crédit, faut payer carte de crédit. Effectivement. Non, parler, finalement, bon, question by carte de crédit acceptée. Tout le monde qui était là sorti avec carte de crédit. Des cartes de crédit qui entre 20 000 et 15 000 dollars US. Même sous ce moyen, dis-moi, parce que je dis, depuis hier soir, je vais essayer de faire contact avec Yonan, mon qui était témoin. Je dis, t'as pas l'autre rencontre qui fait 1er juin, mais rencontre ça, bral fait, Kay, président conseil. Et pourquoi ça qui est intéressant? C'est que tout côté rencontre au fait là, des caméras. Avait dit, yo est le rentré, yo est le sorti. Quitte dans l'hôtel là, y'a une caméra, mais quitte c'est dans côté rencontre là, fait Kay des particuliers, mais supposé, à un niveau, on est là, car il faut que des caméras. Ça veut dire, caméras existaient. Caméras yo là. Deuxième rencontre là, t'es un petit genre relax. Mais malgré rencontre, t'es relax, c'est grand pile pression que t'as exercé toujours. Mon chef, faut baron bagaille, faut baron petit l'argent, faut baron petit bagaille. Mon chef, on dit non, rencontre ça, monsieur, si on dit l'un des dix n'a pas mangé ensemble, c'est manger que gagne là, c'est boire, c'est gagne là, pas gagne, pas gagne l'argent. Mais, bon conseiller, qui sentit que les dérangeait. Et monsieur dit ça. Monsieur parle à des gens pour dire, monsieur, nous sommes dans un côté là, nous devons dans un dîner. Même si nous dérangeons, nous dérangeons. Monsieur, le mot exact, nous sentons confortable dans ça. Monsieur dit, nous sommes confortables dans ça. Là, on parle de Smith Auguste. Monsieur dit, nous sommes confortables dans ça, il n'est pas à l'aise.
Et puis finalement, les gens mangent quand même, ils boivent, etc. Et puis tout le monde a la caillou. Mais toujours gagner des droits de ces mouvements qu'ils fait. N'importe quel négro là, conseiller au gendoire, il est 37 11 87 34. Mais président conseil là même selon Youn, le monde qui était là, il dit monsieur, on dit Jean pas comprendre parce que monsieur pas comprendre pour ça, gain tout acharnement ça, gain tout harcèlement ça qu'a fait, faut gain l'argent, faut gain l'argent, faut gain l'argent et ça fait moi souhaiter que ULCC invite ni conseiller, ni président conseil de NCA. Parce que, ça qui vient aussi, j'en dérange, c'est parce que, yon ne conseille ça, ou qui te n'en rencontre, kapé se mande activité a, annonce que bral gen changement, et bral changer même conseil. Et goun moun qui te non fête, kay lui Gérald Gilles, moun nan, c'était une belle fête, belle enjoy, belle si fête pour petit monsieur. Et il y a des gens qui dit que bah elle a évoqué dans fête là. Jodia, bon me dit non petit bagage. Az ami ça que me parler là. Qui était dans rencontre là. Monsieur souligne un bagage pour moi que m'estime intéressant. Monsieur dit moi que lui-même, il était là. D'ailleurs, il était aménagé, permettre que quelqu'un ait des bagages qui refait. Cependant, monsieur dit que, dans un premier temps, il a regardé des bagages, il était comprendre que c'est ton bagage, ami taille. Mais que c'est bien ou bien qu'il fait parler de l'argent, ça, il a demandé des moyens, etc. Mais il n'a pas pensé à la tête gros niveau comme ça. Il n'a pas pensé à la contingent raide comme ça. Moi espéré que conseil là pressé rencontrer entre eux monsieur n'pas kaba image ça et pour ça Dieu le blanc gagne tout élément de formation yo. Blanc gagne tout élément de formation yo. Monsieur n'pas ka fait pays à ça il me souhaitait Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil là, que le convoquer tout même conseil là, monsieur, pour ça éclairci. Et pourquoi ça que toute la République au courant de bas là. Tout pays a au courant de lui. Plusieurs journalistes au courant de lui. Plusieurs journalistes, plusieurs monde dans l'État, nos autorités, même le blanc. Information. Et puis tout le monde choisit ou quoi, bravo. Monsieur, ou aimerie? M'perdu un paquet de bagages dans le pays déjà. D'ailleurs, depuis un certain temps, m'baka roule dans le pays. M'baka vive. Et m'baka aucun autre espace que Haïti. Bon, m'en qui là, faut m'vive, faut m'fonctionner. Faut m'vive, faut m'fonctionner là. Et sous un pays à comme ça, c'est parce que un bon qui prend trop, un groupe qui accapare tout, et qui fait que en pile zone dans le pays à des quartiers défavorisés pas qu'à joindre service social parce que un groupe nèg qui décide de faire d'appuyer sous caisse l'État qui met le à l'autre monde. Et puis automatiquement zone ça yo pas capable de joindre yo même yo utiliser d'autres formes de pression, et pression, ça, qui est-ce qui prend, pression immédiate, ça, qui est-ce qui prend, c'est nous-mêmes. Si, pas qu'on ait toute qualité de nec, ça, yo, qu'a fait l'État mal, qu'a volé l'argent de l'État, qu'a exercé des pressions, qu'a fait corruption, ou t'es qu'à joindre l'argent, au moins, il y a des projets qui allaient dans des quartiers populaires, yo. Des projets qui étaient capables de permettre que jeunes ne l'épanouissent, jeunes ne jouent plus formation. De récemment la soirée, elle rit. Dis-moi qui pas jamais occupé des fonctions dans l'État. Qui est riche, oui. Qui fait toute qualité de l'argent, hein. Mandez, monsieur, dame, fusion, y'a expliqué. Mandez seulement dans le travaux publics, dégâts, n'est-ce que fait dans le travaux publics.
virer dans primature gon citoyen même yo le saturné nous j'aime tendre yo parler de 500 millions nèg yo bay et Venezuela bon c'est ça pour j'aime chita pour bien parler dans la presse mais problème là c'est que pas j'aime gain suite pas j'aime gain suite pas j'aime gain suite. Malheureusement, c'est comme ça, Haïti. Moi-même, je ne sais pas qui j'en ouvre Haïti à fonctionner. Vraiment, je ne sais pas qui j'en paye, ouvre Haïti à fonctionner. Ça seulement m'a dit non. Ça seulement m'a dit, monsieur, dame, haïtien, nous pas qu'à continuer à faire pays à ça. D'ailleurs, nous faisons cette expérimenté là avec l'équipe Ariel Henry. Mandez tout le monde qui t'a fait comme sur Ariel Henry, est-ce que vous êtes capable de jouer comme ça là? C'est vrai que vous avez madame, vous avez petite, vous avez des femmes qui sont à l'étranger, vous avez comme à l'étranger. Mais mandez aussi vous avez vivre là, à comme vous avez fait là, à brasser ce fait pendant 3 ans sur Ariel Henry. Vous dame, vous dites que vous mon Ariel, comment vous avez encore glé qui s'en passe son genou? Mais, dame ça. Et puis tout le monde compte toute information, oui, c'est ça qui dit. Tout le monde compte toute bagaille. Mais monsieur, surtout pour ses conseillers, des nègres qui bientôt bral gagner pour occuper fonction président conseil là, nous pas capable image ça monsieur. Mais ça qui fait mal là, c'est que un paquet de monde qui bien placé dans l'état, ça m'a dit là on connaît et on connaît bien. ULCC, donc il y a me dit directeur ULCC a un constat fait seulement qui dérangé. Il n'a pas mené enquête sous dignitaire dans l'État dans le moment que nous avons au pouvoir. Donc par exemple sous Jovenel Moïse, bon il était directeur, Kitse Bel ou bien tout l'autre monde était quand même dans l'administration, même administration avec. Il n'y a pas mené enquête sur c'est après l'administration finie, il mène enquête sur. Même gens là, une équipe gargote qui t'a fait dans l'administration Ariel là même. C'est vrai que quelques petits côtés le voyaient, mais pas dans un gros niveau. Yo. Mais c'est pas dans mon là justement pour mener enquête là. Du coup, je dis là, dans ce qui est arrivé là, dans la question, pression, il y a bail pour l'argent, vite, j'envoie là, ça, il faut mener des enquêtes. Et, grand pile d'autres paroles qu'a parlé moi même pas quoi dans parole qu'a parlé moi quoi dans information avant de vous monter au tel conseiller pendant l'argent et pas comme ça pour dire faut venir avec preuve à l'appui tant des monde qui était présent tant des monde qui victime et puis qu'on présente des dossiers moi même qui te me dit ça gon problème que me résout déjà. Et me résout li longtemps. Question mourir. Depuis jour me fait 22 mai devant l'hôpital général, moi connais finalité vie pam c'est la mort. D'ailleurs, nous tout constaté que ma terre. Il y a mon qui dit ah mon cher, guerrier il parti li aux États-Unis. En plus mon croisé dit oh, mais on dit c'est Canada va vivre. Yo dit que au basé Saint-Domingue. Non, je suis là, nous même ma terre. M'a roulé là et là me gagne. Depuis 22 mai 76. Depuis sorti dans ventre maman, on connaît mission pam, finalité toute mission, c'est la mort. Je résous le problème ça déjà. Depuis après 3 ans de passer sous administration Ariel Henry, moi ouais j'aime vivre mal, moi dit tête mon grand bagaille. Moi vivre mal c'est parce que moi t'ai manqué fait travail pas comme citoyen. Ou même je dis ouais vivre mal c'est parce que mon travail côté doué fait comme citoyen haïtien qu'on pas fait. Le patriotisme c'est le sentiment qui nous porte à aimer notre patrie. L'amour pour patrie nous voulait dire tout simplement faut
tout ça qu'a fait dans le pays a fait selon principe et selon règle. Tout ça qu'a fait. Et quel que soit nèg qui marche cochi, surtout nèg qui dans l'état qui a des responsabilités, faut ramener à l'ordre. Quel que soit nèg là, parce que pas aucun nèg qui est supérieur nous. Dans santé là, jour dernièrement là pendant 3 ans Ariel là, notamment fin février et début mois de mai, on pas continuer comme ça encore. On font bon petit temps dehors. Et chaque monde me joint dans diaspora qui dit qu'il a Haïti a changé, Haïti pas jamais changé parce qu'au courrier le caché. Ou pas rien comme responsabilité. Ou pas agir dans rien. Je veux dire, faut chaque grand monde prendre responsabilité. Dis bagay là. If you see something, say something. Sou mon bagay, faut dire. Et c'est lui qui m'a dit que là. Nous, oui, tout les Colombiens qui ont filé monté descendre dans le pays. Il y a des gens qui sont proches de Jovenel, qui sont là. Qui voulait appeler, qui voulait monter complot. Personne ne parle de Jovenel Moïse pour le dire. Président, un complot qui a monté là pour assassiner. Il était autour de Jovenel. Préférez que tu n'aies pas mouru. Même mon qui donne dans votre monsieur. Mais même moi, je dis non, bagay. Puis, personne ne plaint de Haïti. Parce qu'à un niveau ou l'autre, vous participez là-dedans. Mais songe, le gang ti maka kap monte, gon bon moun ki nan fe sa, kap gade ti maka avec osé, a zam nan me yo, ap monte de son nan fe sa. Personne ba di rien. Ple moun fe sa, personne ba di rien. Ok? Personne ba di rien. Et puis, après, yo pral met moun za ou de yo. Kounyan ses yeux ou bouche parler. Parce que le problème nan rive sou mwen, c'est mwen kap subil. Si nèg la te fait afèl, et puis ki met les non, mais le résultat, bral rive sou mwen tout. Même que des bagay définitivement, m'di m'kle sou ça, m'pap konsyone an de pays. Et que chaque gren nèg range kou. Fait comme si pour nous, mon directeur général, nèg mette agence de yo pour brasser l'argent, nèg mette agent de yo pour brasser l'argent, nèg a mette moun de yo pour lui, ou ap checker moun en veux-tu en voilà. Ou nèg a comme si décidé, l'après le tel moun, mon cher, situation pas bon là, et puis la pixel c'est précieux. M'gal di nous a krivim. Pour moutou, j'en nèg en dan, et de haut niveau et dans pouvoir, ou pas même besoin par la moun gen moun k ap vin au fou l'argent k ap vin fè débat. M'pa l'explique ça krive. Mwen pati avec délégation et Gary Koni comme premier ministre, mwen te gen tout ministre finance, gouverneur la banque, directeur cabinet primature et ministre affaires étrangères. J'étais pas le seul journaliste. Te gen mwen même qui était là, te gen Sénat, nouveliste et te gen Gino Augustin et Gino 7. Ma roune sa krive, c'est que monsieur Ogen était jeté en l'autre côté ou bien ou pas dans la salle là. Et puis pendant que je suis dans la salle là, et puis une photo que fait, et puis je me parais dans la photo. Si je dis combien de coups de fil je recevais dans l'après-midi, comme quand je suis maintenant en tête, je fais une intervention contre Gary Koni, je dis que Gary Koni, et puis je me fais. Parce que je suis seulement ouais, ou non photo. Non sale côté que Gary Koni a rencontré moun dit aussi monsieur Kala monsieur moun Gary Koni ou combien moun k'a même coup de fil parce que dans tête yo moi nan Gary Koni nan pouvoir un dit par exemple m'dé membre conseil même ouais moun qui t'a qui t'a couru j'ai l'impression que nèg qui bien en conseil qui fait l'argent sous mon conseil ça conseil pas même connait mais gen moun ki ka konn sa et puis pe bouchot pa di rien. Jodi a fo Edgar Leblanc et Gary Koni, tous deux monsieur sa met ensemble pour que clairement yo réévaluer question nomination directeur général pour konnen est-ce que gen l'argent ba est-ce que gen pour devè. Je ne peux pas m'imposer mais je demande
à la primature et à la présidence du conseil présidentiel de sursoir sous processus nomination directeur général. Mais non, enquête pour nous connaître, moun ki bay qui est, ki bay qui est, qui motivation ça? Qui ça motive moun yo? Moi-même, si je n'ai pas de pouvoir, ça me tape fait. Mais malheureusement, c'est Dim Kadil seulement. Faut enquêter, faut connaître moun yap nommé la yo, chaque passé. Est-ce qu'il y a un bras, est-ce qu'il y a l'argent qui baille, est-ce qu'il y a moun capable acheter poste? Et me suspecte son bail comme ça. Et les nègres ont investi l'argent, l'acheter poste. Les nègres ont investi l'argent pour le kembi poste. Les nègres ont venu arriver. Les nègres ont venu arriver. Les nègres ont venu arriver dans le niveau. Hein? Les nègres ont venu arriver dans le poste là, qu'on a fait passer. C'est l'argent qui a été investi. Et qu'il faut au fond, gens pour remettre l'argent. Mais même, pas un américain. Mais, il y a des cultures américaines que me penser comme peuple. Il faut chercher à connaître comment l'autre peuple réfléchit. Il faut regarder comment l'autre nation réfléchit. Parce que, à mon avis, nous pas qu'à continuer comme ça. Tout pays où nous l'aide, on est qu'à toujours des problèmes économiques. Mais au niveau arrivé, bon petit découvre un bougain, bon minimum bougain. M'attire attention pays à sous ça, sous sa crivée. Et me crois que l'important pour que il y ait des dispositions qui prennent pour bailler ça ou pas jamais arriver encore. Il y a des dispositions pour prendre pour bailler ça ou pas jamais arriver encore. M'espérer ça. M'espérer qu'il y a des dispositions qui prennent pour moun pas faire moun chantage pour poste dans l'État. Parce que nous ne pouvons pas continuer à faire pays comme ça. Ouais, gompan moun. Bon, ouais, bon, bon, moun kap voye message pour moi. Et ça m'dou, oui. Mais, ba information yo clair, ba non, moun kap voye information. Vous comprenez? C'est pas si ba y piti kap fait, non? ILCC, moi regrette ou pas kap fait job zavri. Mais sou te kap fait job la, mon cher, à la belle bagay qui t'a fait. Mais malheureusement, ILCC pas kap fait job la. Assoya pendant la corruption parce que nous voulons parler avec porte-parole les primatia et des Augustes. Nous voulons parler tout avec porte-parole police nationale là parce que nous avons eu démonstration que fait hier yo on a le connaît ça oui et puis gon moun ki bon moun information de la police là me dit oh ça supposé intéressant faut moins explorer le faut moins garder le faut me comprendre. Mais n'a toujours été dans la question corruption. OK. Information yo le m'a prendre pour tout journaliste nèg qui remet métier. Et nous gen mettre Camille Leblanc avec nous assurer sur ligne. Mettre Leblanc, bonsoir, comment est son plaisir pour monsieur voir dans boucanter la parole. Comment ça t'est aillé? Bonsoir et guerrier, son plaisir pour nous avec nous. Je suis bien content avec nous à Soya et son plaisir pour moi pour avec tout le monde qui a écouté l'émission. Mette Leblanc, bon information et Giovanni Michel. En pile, monde connaît monsieur parce que monsieur pas en Haïti, mais monsieur a vivant l'autre en Europe, selon l'information que nous avons. Monsieur écrit et moi, en pile, monde a publié. La chaîne de télévision Télémax est vendue à Rosemilla Petit Frère pour un montant de 2 millions de dollars américains par l'ex-premier ministre Jean Rissien. La chaîne de télévision privée haïtienne Télémax vendue à Wyclef Jean en novembre 2005 avant sa faillite quelques mois plus tard est désormais la propriété de l'ex-mairesse de l'Arcaille. Mais d'où vient cet argent? Il faut rappeler qu'il y a au moins 8 mois que Rosemilla Petit Frère avait boudé plusieurs invitations du juge Jean-Wilner Morin qui instruisait une affaire de corruption au sein de la Caisse d'assistance sociale CAIS où son nom avait été cité. Jean Risséan vend Télémax pour 2 millions de dollars à Rosemilla Petit Frère. Où c'est avocat Jean Risséan, où c'est frère Jean Risséan, moi connais Giovanni Michel, c'est pas premier et seul dans question information tête en bas, mais ça attire attention pour me dire coach Jean Risséan
Est-ce que Télémax c'est pour Jean Rissé il y est? Et puis, côté Rosemilla, joue 2 millions de dollars pour l'acheter en télévision. Mette Camille Leblanc, qui soit connu de ça, Giovanni Michel et Cria. Bon, moi-même, mon cap douge, mais monsieur Giovanni Michel, son monde qui dit n'importe quoi à boucher, et il n'y a pas besoin qu'on aille, il chita tranquillement en France. Et, d'ailleurs, fait mon avocat en France pour l'obéir, monsieur, du trafic d'organes, pour que, en France, il soit convoqué, parce que trafic d'organes, son crime transnational, il faut une bonne explication, non municité, le trafic d'organes, il faut une bonne raison de trafic d'organes, ça. Donc, son monde qui dit n'importe quoi à boucher. Mabdou, en dehors de relations avec Jean-Rémy, etc., je suis l'avocat de Télémax. Faites ce fonds procédure là contre Madame Osmia, parce que Madame Osmia, en dedans avec M. Ariel Henry, dans l'équipe Ariel Henry, et entendre, par contre, si c'est Konatel, il baille 2 millions, mais entendre avec Konatel pour le mettre mes sous Télémax. Faites ce. Konatel pour me dire, sous son régulateur, moi-même, j'ai intégré Télémax, que mon patrimoine que m'a géré depuis longtemps, ça m'a parlé dans le nom, pour bien être Télémax. Nous payons régulièrement Konatel touche comme, nous ne pas comprendre comment Konatel a décidé, Madame Osmia, fréquence et Télémax. C'est vrai, d'après, parce que semaine qui s'est passée là, qu'on a tel monté dans un côté logé, il a hébergé Télémax, il a agi de paix pour lui faire des ordres en dedans, etc. Donc, exactement, il écrit qu'on a tel monté. On ne comprend pas, où sont régulateurs, si sont régulateurs. Et si moi-même, mon fréquence, régulièrement, ou pas qu'à prendre pour bailler l'autre monde, parce que politiquement, le nom commérage, et ma bien qu'on commérage, Madame Osmia avec Ariel, ça ne me regarde pas. Simplement, moi, je dis que nos pays de droit, ou bien un pays qui a bataille pour l'état de droit, ne pas qu'à permettre que des institutions de l'État soient capables de mettre au service de commérage politicien. Donc, madame et petit frère, tentez à travers relation salle en dans et bureau M. Ariel Henry, tentez faire qu'on a tel bail et spec pel côté que Télémaxia. Mais valait Jean Bonnan, j'espère là, valait côté ou cagain pour faire télévision, mais pas comprendre, c'est patrimoine Télémaxia le besoin accaparé gratuitement. Dans le papier, moi, je dis madame, je dis qu'on a tel, si madame Osmia veut institution ça, il a négocié à Probetel. Mais en aucune façon, un, Jean-Rissé n'est pas propriétaire dans les Max. Deuxièmement, donc Jean-Rissé n'a pas négocié avec Madame Osmia, qui, de par ses liens avec Ariel Henry, a utilisé Konatel pour le tenter faire même pas sur institution. Moi, je dis clairement que la bataille, d'ailleurs, je te dis ça, dans ce moment passé, j'étais sous Scoop FM, question soulevée, je dis Madame Osmia, sous l'acheter Télémax, propriétaire Télémax à bonne, c'est pas Jean-Henri, propriétaire Télémax à bonne, nous, mais quand tu as pensé pour venir mettre droit tout sous lit, à partir de position politique autour de M. Ariel Henry, ça ne peut jamais permettre, parce que la bataille juridique va se faire et où le droit n'est pas de ton côté. Donc, moi, t'es extrêmement clair. Mais monsieur, ça, qui j'ai ton côté. Attends, mettre le bon seconde. Est-ce que nous, non, processus de vente ou bien achat de télévision entre propriétaire là et Osmina Petit Frère, est-ce que commencer à parler sur acheter fréquence? Non, jamais de la vie. Natel a tenté de monter en haut à côté yo héberger et antenne Télémax. Là, il vient avec juste de paix pour lui demander fermer et bloquer émission par Télémax. Il vit avec Madame Osmia que c'est lui-même qui a attribué. De quel droit
ou attribuer alors que moi-même, je paye régulièrement Onatel. Ou Onatel qui recevra chaque année et redevance, il n'est pas qu'à prendre carrément pour le remettre l'autre mouni. Donc, alors, nous voulons faire bagarre d'une façon politique. Madame Ozmia, qui est avec M. Ariel dans tout l'obéio, ça va intéresser. Mais quand tu as pensé utiliser constitution de l'État qu'on a tel, même si le directeur qu'on a tel a accepté de se mettre au service de projet ça, mais nous-mêmes nous disons que ça n'est pas privé. Nous ne pouvons pas permettre et nous avons en face à aucune négociation entre le Max et Mme Ozmia. Ozmia a tenté à travers position politique avec M. Ariel Henry, faire une union plus jouée au niveau de Canatel pour mettre main basse gratuitement sous Télémax. Ok, mais Kounia, Kounia, mettre le blanc, Kounia, qui est-ce qui est en possession de chaîne 5? Chaîne 5, c'est toujours été comme ça, pas de l'autre bagaille. Mais maintenant, il y a pas Madame Ozmia Baza qui défend à monter sous Bala pour bouiller Télémax, pour empêcher Télémax émettre naturellement. Donc, vous avez des ordres qui ont fait là, à partir de Konatel et Madame Ozmia, sous fréquence qui naturellement est payée par Konatel, pas par Télémax, qui Konatel est réservé à Télémax. Donc, Télémax mettait au service Madame Ozmia pour le fond des autres là, mais nous-mêmes, pas gain entre Télémax et Madame Ozmia, pas aucune discussion faite. Et Madame Ozmia a fait discussion, pas avec Konatel, pas avec Télémax, mais avec Konatel, à travers position M. Ariel Henry. Voilà, voilà ce qui se passe là. Et donc, c'est étonnant que M. Johnny Michel mette, on y recevoir à côté de la ville en France, recevoir Ticob et puis dit n'importe quel, débiter n'importe quel. Et donc, moi-même, je voulais pour ton démenti clair. Au moment où nous parlons, il n'y a jamais eu de discussion entre les responsables de Télémax et Mme Ozmia, en tout cas, pas Jean-Henri, pas, qui pas est propriétaire et Télémax, et donc qui pas la vendre Télémax. Un, deuxièmement, Blédou, et semaine sur le passé, là, moi-même personnellement, moi voulons un document, by et site qui héberge nous, pour me dire attention, moi à quoi avec vous, pas accepter que Konatel vienne pour aucun des autres là. Plus vous voyez par Konatel, et même document, son régulateur, ou pas qu'à mettre au service brigandage, les connivences politiques, pas qu'à jouer là. Si vous mettez au service politicien pour faire un type de bail ça, ou détruire l'institution qu'on y a. Moi, mettez là. Pour me dire, le directeur qu'on a tel là, s'il faut un acte illégal, article 27 constitution, il va l'engager tête, personne ne m'a poursuivi. Je veux être clair pour lui, m'a poursuivi jusqu'au bout juridiquement. Donc, les choses sont posées sur le plan juridique, mais clair avec Mme Ozmia, si c'est schéma ça on veut prendre, pour venir prendre affaire moun, à travers politiciens, à travers Wage, M. Ariel, d'ailleurs, M. Ariel n'est plus là. Ça veut dire que si le directeur qu'on a tel là, pense qu'il a continué au service de M. Ariel Henry de Madame, et de Mme Petitfrère, donc il se trompe, donc l'État n'a pas permettre que des mondes de cette nature utilisent la situation de pouvoir pour faire des ordres, pour poser des actes illégaux. Donc nous mettons en garde. Et nous mettons tout le monde en garde. Mais pour l'histoire et pour la vérité, pour tout le monde qui a écouté de là, pour qui est Télémax? Télémax, c'est pour un groupe d'actionnaires qui vient des Haïtiens vivant à l'étranger et des Haïtiens en Haïti. Donc, comme son société anonyme lié, donc même pas cité, quand même pas gagné devant la Mouda cité 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, mais ça me capable d'où? Société anonyme avec des investisseurs haïtiens qui vivent à l'étranger et des investisseurs haïtiens qui vivent en Haïti. Donc, il n'est pas question que l'institution l'État mette au service de politiciennes ou bien de politiciens en imprimature, etc., avec Mme Ozmia et M. Ariel Henry, pour violer la loi et bafouer le principe élémentaire droit pour investir dans le pays.
des Haïtiens à l'étranger qui investissent dans le pays, ils vont permettre que Konatel mette le service, madame petit frère, pour nous faire d'appuyant son patrimoine que vous investissez dans la donne, vous construit et qui c'est patrimoine, c'est pas normal. Merci un peu, Camille Leblanc. Moi, t'es content, faites si causer ça ensemble avec vous. Et M. Camille Leblanc, plutôt, quittez-moi de dire, et, parce que moi, connais où ça a un bon titan. Et, ou connais, moi-même tout, moi, et, dans mes métiers, ça comme journaliste. Quittez-moi présent aux excuses pour des diffamations, ou bien mauvaises informations, ou bien mauvais traitement d'informations. Parce que les gens de bail, ça arrivé. L'on si j'en dérangé des nègres qui prennent 100 yo pour apprendre métier et pour yo professionnel. Les gens de bail ça arrivé, l'on si j'en dérangé moun. Ok? Non, seulement dérangé. Il y a des petits affaires qui sont capables de choses, qui vivent de corruption, de faire des dîners de quoi pour nous négocier avec eux. Je m'en dis, Michel, nous fait que ça. Et pas bien qu'on a bagaille, il y a des tétins, et comme nous, je mette un défi. Madame Osnia là, ou Madame Osnia t'a dit publiquement, est-ce qu'elle négocie avec Jean-Henri Seyan, qui n'a pas aucun mandat pour ça, ou bien est-ce qu'elle négocie avec un membre et chaîne 5 là, qui c'est Télémax, quand elle négocie avec aucun monde. S'il négocie, il négocie avec Konatel pour mettre d'appui en soi à faire monde pour Bali. Donc, son monde qui besoin de faire d'appui en soi, fait monde, et moi-même mettre en garde, clairement, sans compter me mettre en garde et qu'on a tel, permettre de mettre main soit fait monde, et alors que pas pour lui. Juridiquement, il y a toutes les ressources légales pour que la justice contrôle et il y a loi continuer dans des autres, ça, etc. Et, comme journaliste, ou même pour ta, effectivement, leur journaliste parler généralement, comme vous attendez. Mais là, il y a des prétendus journalistes, dont monsieur Sahar, qui a dit n'importe quoi avec des objectifs précis, c'est quand même une honte, etc. Mais cependant, il faut tout nous faire un monde, il est ce qu'il est, mais nous portons des motifs fermes, clairs, et madame Rosemia qui est là, qui tente faire même bas sous Télémax, dame elle dit publiquement à qui nous nomme dans Télémax négocier. Et est-ce qu'elle te négocie avec nous ou bien est-ce qu'elle tente à travers position politicienne autour de M. Ariel Henry. On dit qu'il y a autour de M. Ariel Henry, ça n'a pas regardé. Mais c'est un homme dans MLG. En dehors de ça, on est discuté. Merci un pile. Je suis content de parler avec vous. À bientôt. À bientôt. Voilà. Et bon, en tout cas, en fait, bon, dit journaliste, tout ça. L'on a une information, moun pas supposé vin démenti. Parce que, en fait, l'on a une information, faut assurer qu'on a un souci. Faut assurer que, souris vers un côté, moun nan dou se diffamation m'a fait, ou a fait souli. Faut arriver un côté, pour gen élément nan men ou. Faut arriver un côté, pour gen, et c'est vrai que, constitution permet que, ou garder et ou quand même pas dévoiler sous. Mais en fond dit on bagarre faut vérifier. Faut qu'il ait maintenant même pour vérifier. Même ça me saute dit là, m'a dit en fonction de comme si m'a dit ça mon rapporter non, m'a dit en fonction de ça mon rapporter. Faut qu'il capacité pour aller plus de dans sous information. Et pour nous ça dit là le nèg a fait dégâts ça et me parle à Giovanni. Pourquoi ça fait me parler avec Giovanni Michel? Et pas pour monsieur me parler avec. C'est Giovanni Michel, c'est ça lié comme si en matière de écrit etc. Ça parce que le nèg à l'étranger, il pensait un pape qui arrive, il pas vrai. Plein mal il arrive. Bon, un petit bonhomme là crappé ne serait-ce que dans traduit papier de créole à anglais. La dépense son bon petit l'argent là, pas un problème. Continue de dépenser quoi. Paye avocat, bel petit l'argent. Mais, le wap ba ou information.
qui j'en voulais ou moun monte micro pour la demande sous là. Et puis le demande sous quand pour regarder comme ça. Même bon niveau, bon niveau, nèg a comme si envie demande sous ou dit bon, ou va le demander kounya, m'ra le bon. M'ra reler des moun dans la barre. Ou bien, n'est-ce pas envie de mentir ou dit monsieur m'a le bon son? Ou envie de mentir m'a le bon vidéo? Ou envie de mentir m'a le bon texte? Et puis, quand il y a un problème, et problème n'est pas un problème Giovanni, problème c'est Moun. Kapren, ça, nom n'a écrit, ça, Moun n'a écrit, et puis la publie. Mais problème pas. Problème c'est ça, Moun n'a écrit, et Moun n'a publié. Sa moun nan ekri a, gen moun ga publie l. Mwen menm ou moun bay menti, on gren fwa nan vou, ou pa gen kouraj pou monte pou ekskize ou pou moun va eksiste. Et depuis quelque temps, c'est ça nèg yo fè. Sou pa gen kouraj pou ekskize ou, pa gen yen k ap fè m pou ou sérieux. Et puis, on transaction 2 million de dollars pa ka fèt cash. Au moins faut avoir un copie chèque là. Au moins faut avoir un copie chèque. Au moins pour protéger tout, ou t'es qu'a dit selon un tel. Moun ki zou là. Selon tel moun. Et puis, ou konn sa intéressant. Nan information nèg a bay là, pou te pété ken doit décider protéger tête li, ça c'est nan niveau comme si nèg qui a l'école qui apprend métier a. Bon moi même pas nan niveau comme si m'a bay menti a. Comme si, le type est complètement, totalement affirmatif. La chaîne de télévision Télémax est vendue. Mes amis, c'est écrit, est vendue. Monsieur, a même montre pour nous, parce que chaque fois, comme si nous écrivons un bagage, nous écrivons l'obéi, puis nous avons un peu de et me saisi m'a regardé niveau de moun k'a brûlé ça m'a regardé niveau moun k'a brûlé ça m'a regardé niveau de moun k'a brûlé ça moi même un professionnel moi comment on information sur Facebook pour moi regarder pour me pas regarder ça vrai ou bien ça faux pour me pas dire ça vrai ou bien ça faux hein. Ah bah la minimum mon cher. Et puis moun ka pou rele yo c'est ça qui fait mal. Et pas comme si pou nèg ka écrit bah nèg écrit n'importe l'obéi yo vle. Mais faut n'apprendre censurer ça mon a écrit comme l'obéi. Parce que nous pas ka fait société pays comme ça. C'est pas même comme si garder et ça mon non, c'est moun ka pou rele information yo. Faut nous niveau côté pour nous dire nous pas fait job ça là pour aucun autre monde. Et gon principe dans information. De pou wele il, zè kou kwe la den. De pou wele il, ou assume il. Et même, je n'ai pas dit par exemple que mwen, ou c'est pas mwen qui te ba information non, c'est émancipation que te ba li. Bon, ou ap travail nan émancipation d'une part, mais émancipation ba li, qui te l'assume l'obé li. Cherche vérifier so dia. On a parlé avec Jean-Gilles Desaugus, qui se porte-parole primature. Avec lui, nous allons essayer de garder deux, trois questions à souhait. Surtout, nous devons regarder l'état d'urgence sous question de sécurité que Primature a annoncé. Et Jean-Jules Desaugus, bonsoir. Merci parce que vous acceptez et participer avec nous dans l'émission Boukat la parole. Nous demandons légèrement baisser le volume récepteur qui est beaucoup trop là. Ou mettre baisser le net, tendez-nous dans le téléphone, ça permet de ne pas recevoir feedback là. Bonsoir, comment vous êtes? Je suis content avec vous, Assoya et Desaugus. Comment vous êtes? Bonsoir Yariel, oui. Bonsoir à toutes auditeurs et auditrices. Vous prenez la parole. Bonsoir à peuple haïtien qui vivent en Haïti et dans la diaspora. Nous comptons avec aujourd'hui pour nous faire écouter ça. Donc, merci parce que vous recevez moi comme porte-parole du Premier ministre, Dr. Gary Conille, qui, depuis l'entrée dans le pays, a débrouillé le temps pour mettre Jean-Jacques pour porter un vent nouveau à peuple haïtien. Au moins 7 jours depuis Gary Conille rivé dans tête Primature jusqu'ici il y a monde qui a plein qui dit que yo poukouwe ki sa PM n'a réglé yo poukouwe ki sa l'a fait
des monde qui estime que de pied le poko sous terre qui soit qu'à répondre à moun sa yo. M'a répondre rapidement. On dit que ouais. Yo tande et yo comprendre. Et ouais également que de pied premier ministre docteur Daikoni sur terre. Donc on va expliquer ça hein, par plusieurs moyens. Dès que Daikoni arrivé en Haïti, dans la palais du citoyen Daikoni 1er juin. 2 juin ça l'y fait. Les moutons blindés, ils descendent dans le centre-ville, pour au prince pour la le constater. T'as qu'on nous dit, lui, y'a à l'ouest, à Denaweli, des gars que groupes criminels, y'a causé à la population de manière générale, mais vraiment dévasté le centre-ville de Port-au-Prince. Pendant que le docteur Karikoni t'a visité le centre-ville de Port-au-Prince, t'as constaté comment ville l'a dévasté, il est passé dans plusieurs camps d'hébergement. L'ouest situation, cette crise humanitaire que Bandio provoquait, causée à cause de attaques sur ma population, à cause de criminalité que yo fait. Mais aussi surtout, il y en a pas qui t'ai attiré, attention, docteur Garikoni, c'est moun qui est malade, qui a vivre, couché, dormi, même côté, avec moun qui plus ou moins paraît santé. Mounsao qui fait face à une crise humanitaire. Ça, c'est une raison qui fait que, il y en a première grande action que le gouvernement a posé les défis installés, n'a pas dit à partir du 12 juin. Premier ministre, t'es passé l'ordre à un nouveau directeur général pour ça, Ramon Ormini, pour lui mettre lui en quatre, débrouiller les comètes Jean-Jacques, pour prendre contrôle l'hôpital général qui était occupé par le gang depuis environ 3 à 4 mois de ça. Premier ministre Garikoni, pas traité là, même avant ça, nous capables de dire que presque dans toute histoire politique pays d'Haïti, c'est pour première fois que le conseil présidentiel de transition qui constituait de 9 membres est voté à l'unanimité docteur Garikoni comme chef de gouvernement. Et c'est pour la première fois que en moins d'une semaine, docteur Garikoni, de concert avec conseiller président yo, y arrivait mettait sur pied un gouvernement. À côté de tout ça, docteur Garikoni, pas jamais été chita. C'est rencontre sur rencontre. Il y a qui dit, ah, c'est rencontre que le gouvernement a fait ou que le chef gouvernement a fait. Mais attention, tout ça a fait, ou action a fait, même pour te construire citadelle là, t'es bien chita parler, t'es bien chita attendre. Puis quand on pensait que tu as changé directeur l'Ouest 1, notre tête police là, DDO 1, donc DDO 2, sans qu'on pas chita parler, que ce soit avec policier qui était là, ou bien chef qui était là, mais avec ça, on peut rentrer à tout. Plusieurs CSPN spéciaux n'a parlé de Conseil supérieur de la police nationale organisé. Maintenant, n'a parlé encore d'action. Pas oublier que crise humanitaire, ça, causée par crise sécuritaire, là, les impacts globalement le secteur privé des affaires, le grand secteur économique. Docteur Garikoni était obligé chita parler avec moun qui n'a affaires économiques dans le pays. Et à côté de tout ça, yon n'a pas voulu retourner sous lit. Docteur Garikoni, bâton pèlerin, non seulement pour lui rencontrer tout le monde, tout secteur en dans le pays, n'a pas tourné sous ça, mais il était accompagné de deux gros ministres dans le gouvernement. Nous voulons parler de madame Dominique Dupuis, qui est ministre des Affaires étrangères et des cultes, et qui occupait portefeuille ministériel, traduit haïtien vivant à l'étranger. Il était déplacé avec ministre de... Puis il est déplacé également avec ministre Kathleen Florestal, qui est ministre de l'économie et des finances, qui occupait également portefeuille ministère planification avec coopération externe. Il était déplacé avec gouverneur de la Banque centrale, avec d'autres membres d'un cabinet également. La palais, gouverneur Banque centrale, là, c'est M. Ronald Gabriel. Pour qui ça, il était déplacé, aller dans le pays des États-Unis. C'est pour lui d'aller rencontrer partenaires, non seulement partenaires financiers, nous voulons parler de la Banque mondiale, nous voulons parler du Fonds monétaire international, nous voulons parler également de la Banque interaméricaine de développement qui promet à pays d'Haïti 40 millions de dollars. À côté de institutions financières internationales, c'est là, que Dr. Garikoni était représenté, était rencontré représentant,
Dr. Gary Conny rencontrait également le secrétaire général de l'Organisation des États américains. Nous connaissons qui sa organisation régionale ça vaut en matière politique, en matière diplomatique, mais aussi et surtout en matière d'influence économique dans la région, pourquoi pas à travers le monde. L'ICITA avec lui, ils ont discuté sous question opportunité économique, politique, mais aussi et surtout sur le relèvement. Relèvement économique, relèvement politique, mais aussi et surtout redressement social pays d'Haïti. Parce que pas oublier que son désastre que pays a vécu aujourd'hui. Tout pays qui respecte tête pure, que ce soit désastre ou catastrophe naturelle, que ce soit question de guerre, mais ça n'a vécu la son catastrophe vraiment humaine, parce que c'est la main humaine qui causait ça. Mais faut qu'on réfléchisse pour après désastre. Ça aurait les plans post-désastre. Faut qu'on fait des plans. Taïkonichita avec secrétaire général Organisation des États américains. Mais ici, t'as tout avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Pas oublier que crise ça la vive aujourd'hui, c'est une crise qui impacte les régions, hein, quelque part, moins tout, parce que si le secrétaire d'État américain, troisième personnage sur le plan politique et diplomatique des États-Unis, qui était lui-même devenu dans le pays, évidemment, on n'a pas les devenus à la Jamaïque, à Kingston, notamment, pour l'été la CARICOM, les pays, les leaders de la CARICOM, maintenant, quand ça tout qui t'a pas accouché conseil présidentiel de transition, hein, t'es gagné des représentants de la France, t'es gagné des représentants du Canada, t'es gagné, tant qu'on nous saute souligner ça, hein, on bonne notre représentant de pays amis, Haïti, qui t'est venu discuter pour voir comment on est capable de retirer le pays dans la crise politique. Ça, et c'est à partir de là, question conseil présidentiel, là, t'as pas la prédestance. Et voilà, pour nous tourner sur un compte avec Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Il y a une bagaille qui est importante, nous, de souligner à auditoire, les gars, notamment, mais à peu près ici, de manière générale. Le secrétaire d'État, lui, remercie et félicite Dr. Gary Conny, chef de gouvernement, pour leadership, lui, pour capacité, lui, à transcender tout clivage sociopolitique, pour lui, chita, parler avec tout le monde. Mais tout, pour lui, capable, permettre à population haïtienne de commencer même un temps soit peu à respirer un vent nouveau, à créer l'espoir. À côté de rencontre qui était faite avec le secrétaire d'État américain, nous connaissons que le docteur Gary Conny, chef de gouvernement, était pas la parole devant le Conseil sécurité des Nations Unies. Nous connaissons une mission multinationale de soutien à la sécurité qui commençait à arriver dans le pays grâce à l'appui de Kenya, qui est leader mission. Mais faut que Dr. Gary Conny t'a défini processus de déploiement. Pas bien que toujours dit que lorsque gouvernement, ou bien chef gouvernement, lorsque gouvernant, ou parti, lorsque autorité, c'est quoi, il y a été. Pour Dr. Gary Conny, avec reste membre délégation, c'est pas de ça. C'était Alga des partenaires financiers, ou Gélanger, Aldio, mais qui sa problème n'en y est, mais aussi Aldio, mais qui sa pays a besoin. Et c'était, au-delà de rencontres qui fait yo et des chances, yo, c'est rétablir la confiance dans les autorités haïtiennes. Parce que Dr. Gary Conny, qui t'a évolué un petit peu à l'étranger, il y a une crédibilité, une confiance que vous faites lui. Il mettait tout ça, yo, sa personnalité, la crédibilité et confiance que vous faites lui sous table là. Et c'est à ça que lui veut rencontrer toute grande personnalité, si là, et toute institution importante, si là, à travers le monde. Maintenant, si on me demande qui ça, Dr. Gary Conny, fait, n'a élaboré, parti ça yo pour yo, en partie, mais l'autre côté, nous capables d'agir ou bien intervenir également. Sur le terrain, n'est-ce pas, en un mois, Dr. Gary Conny, chef de gouvernement, de concert avec le conseil présidentiel de transition, y arriver, changer leadership police là, nous connaît tout reproche qui a été fait ancien leadership là ou ancien leader police nationale là. L'irrivé changé, directeur départemental qui est dans l'Ouest là, l'irrivé également, grâce à leadership, li, créer confiance, permettre que deux premiers contingents de forces kenyanes arrivent dans le pays. Nous avons environ 400 policiers kenyans aguerris, bien entraînés, très expérimentés, qui viennent accroître le banditisme dans le pays. Mais à côté de ça, pour que les policiers kenyans, la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti, ils ont été capables de arriver en temps, ils ont pu commencer l'opération. Faut que tu aies parlé, mes amis.
Abdi que Kenyan yo parle anglais, yo pas parler ni français, yo pas parler ni créole. Évidemment, on a toujours trouvé des gens qui gazouillent quelques mots, mais c'est pas langue, pas yo français, créole. Faut que tu aies une cohésion dans l'action, tu aies un entraînement commun qui fait pour que l'autorité apprenne, yon comprenne l'autre, dans l'identité, que ce soit force police, force armée d'Haïti, mais aussi et surtout force Kenyan. Mais les autres qui sont secondes, il y a des gens qui te gazouillent, par exemple. Mais depuis le soldat au venu là, et 25 juillet, après le fait au mois, mais gagné un dernier contingent qui arrivait là, il y a gagné seulement quelques jours. Mais un peu le monde souterrain dit, il n'y a pas ouais comme si m'dadou des préparations cap fait, il n'y a pas ouais comme si gagné d'où on a l'air, gagné des études cap fait, sous positionnement gang, etc. Mais comment, qui j'en ai yo fait qu'on est et zone yo? Est-ce que c'est dans des zones vertes que Negio a prêté ou bien il a engagé ensemble avec la police dans des zones rouges? Donc, il y a un proverbe français qui dit « Les exemples vivants sont de notre pouvoir. » Mounsayo, il y a un exemple phare devant nous. Moun qui posait peut-être une question ça ou qui posait une question ça à tout. Ça qui passait dans le centre-ville pour Port-au-Prince hier. Policiers kenyans accompagner des policiers haïtiens, ils ont mis les pieds sous sol. C'est-à-dire, c'est un plan fort. On a même besoin d'élaborer sous éléments de réponse à ça. C'est que, il y aurait que, vous gagnez vraiment une réponse probante qui devant les yeux. Nous comprenons une question que vous posez. C'est l'inquiétude légitime que vous gagnez. Faut que l'État assure la sécurité publique. Surtout, ça gagne des années, des dizaines d'années, qui dit même des siècles, que le pays a trouvé dans le Kachouboumbe, ça. Mais ça nous le baille comme garantie à travers déclaration ça que Dr. Carrie Conny, comme chef de gouvernement, fait hier, il décrétait état d'urgence sécuritaire sous 14 communes des départements de l'Ouest et de l'Artibonite. C'est occasion pour que l'État baille peut-être les moyens pour lui faire la guerre contre les bandits. Parce que bandits ont déclaré la guerre à la population. Et pas oublier que structure qui gagne monopole de la violence légitime et légale là, c'est l'État. Non mais désolé, ma retourne sous question encore parce que moi grand pile monde qui a interagi avec moi là et sous question de se poser et ou préciser et ça qui passé hier là dans en bas la ville là et mais qui ça qui passé en bas là ça t'es gagné hier en bas la ville là. C'est vrai que c'est n'a bien aimé jeune porte-parole police à tout, mais ou c'est quand même porte-parole et premier ministre, chef CSPN. Ça qui passe en bas, qui ça qui passe en bas? Ça qui t'a fait y a saleté? C'est opération la police t'a mené de concert avec les policiers kenyans. Qui côté exactement? Sous grand rue? Parce que je constate gagné et la presse kenyane qui annonçait que soldats kenyans yo aidé la police reprendre contrôle port et on dit APN souvle. Est-ce que ça vérité? Est-ce que l'État reprend contrôle port grâce avec support et soldats kenyans yo? Mais qui s'en va rentrer là dans les? Nous pas déballer stratégie. Ni la police, ni l'armée, ni la force kenyane qui, évidemment, vient travailler sous leadership la police nationale. Là. Nous connaissons notre parole police là, la baye bilan yo. Et dans la dernière conférence de presse que le directeur général police fait, en la personne de Ramon Ormil, il dit que yo pas fait vous remonter, pas rien vous remonter. Je dis, hein, c'est un pays qui est en guerre contre des criminels, ou ce sont des criminels qui déclarent la guerre à une population civile qui a marché de bras ballants, qui est inoffensive. Ce fait, n'a pité bilan ça pour la police nationale. Non, mais là, des augustes porte-parole, ou d'accord qu'on ne parle même pas de bilan, mais question que nous avons posée, hein, ça qui t'a fait hier, à qui ça lié? Et est-ce que l'heure des opérations, on seconde pour parole, est-ce que c'est la police qui t'a quand même reprendre contrôle on espace, on territoire, on institution publique qui s'altéye? Parce que c'est vrai que chap défilé, blindé a défilé, mais qui s'altéye? Ça veut dire est-ce que c'est parce que il est flou, il est très flou. Est-ce que c'est
camper un espace tiré ou bien gagner un bagage spécifique qui t'a réglé ça que t'as fait hier qui s'altéré. Pas de flou là-dedans, que la police nationale, aidée par les forces kenyanes, par la mission police nationale de soutien à la sécurité, désormais, ils mettent pied sous sol là. Il y a un bagage que Dr. Gary Conin t'a dit dans déclaration ou adresse à la Nation 5 que fait hier soir là, que la presse a continué à brûler, nous disons merci pour ça. Résoudre une crise sécuritaire là, c'est pas du jour ou la demain qu'on le fait. Certainement, population t'a souhaité, à partir de hier que déclaration ça fait fête là, ouais que, est capable d'aller dans le page pour le monde qui a une opportunité ça, est capable de lever un travail pour les professionnels qui perdent du travail, madame Sarah est capable de fonctionner, monter machine, et que professionnel que vous y a si vous avez une mission dans le Grand Nord, pas de problème pour passer par là, dans le Grand Sud, pas de problème. Nous comprenons toutes les préoccupations, ça, yo. Nous comprenons que nous avons tablé un jour matin, vous levez, vous avez bombe à tomber dans les zones rouges, vous avez bandit à arrêter, bandit à mourir, gros bandit à arrêter, vous avez mourir. Nous comprenons ça. Et c'est sensationnel. Et il y a un droit à ça, et ça va légitime. Si on levait un jour matin, il trouvait ça. Même qui semblait dire, guerrier Henri, l'État pas capable d'agir avec émotion. Pas bien que même pendant que nous voulons que le problème n'a résoudre là, mais nous voulons que les résoudre bien. Parce que, pour le français a dit, le bien est l'ennemi du beau. Mais voici ce qui arrive, voici de quoi il est question. C'est un gouvernement qui, de concert avec le conseil présidentiel de transition, grâce à service d'intelligence qui vient sur cap travail, on nous dit qui pas. Lorsque le gouvernement te reprend contrôle l'hôpital général, c'est qu'il y a un pile palais en pile, c'est qu'il y a un pile monde qui pas de quoi. Mais nous comprenons que y a presque t'es qu'un droit pas de quoi parce que la vie de nos sociétés côté que grand pile dirigeant qui parlait avant, ça ne va accuser personne, grand pile autorité qui parle avant, côté que parole n'a pas engendré action. Votre parole des autres, votre parole des autres. Souverain, si vous permettez-moi, nous voulons dire à soi. Bilan sous opération, que ce soit reprise contre le port qui a parlé là, il y a fini. Non, est-ce que, en demi-seconde, est-ce que c'est bilan qui a fini ou bien ça existe vrai que nous reprenons contrôle pour Port-au-Prince? Est-ce que, parce que ça c'est fait, oui, c'est même pas peut-être bilan. Est-ce que gagne opération qui t'est menée et ou reprenne pour ça qu'arrivé qu'on pas gagne information, hein? Mais est-ce que ou au courant de ça, est-ce que l'État fait ça, est-ce que c'est la police, est-ce que nous reprenons contrôle pour Port-au-Prince? Le bilan se construit des faits, nous d'accord avec vous. Comme je dis, en termes de stratégie, d'avancement, d'opération et d'action de gouvernement, de la police, de l'armée et des Kenyans, communication sous Prince Ayo a fait à temps et lieu. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit ce soir. Mais ça qui passe, c'est que la population kenyane lui-même, et malheureusement, il gagne information, puisque moi, je dis que, une communication qui sortit, qui dit clairement que, soldats kenyans accompagnent la police nationale, ils reprennent contrôle pour Port-au-Prince là. Mais est-ce que nous-mêmes, moi-même, bah, qu'à descendre dans le port, mais, dans le niveau gouvernement, on a gagné information quand même. Dans le niveau de la police, on a gagné information. Ça veut dire que, si ça, la population est au courant de lui, est-ce que, effectivement, ça fait, parce que, n'a l'île, là, n'a pas gardé ou bien si ça va déranger, ma voie le pour? Pas de problème, mais qui ça me dit? Ce n'est pas seulement le contrôle du port que le gouvernement, que l'État va le reprendre. En tout cas, tu ajoutes seulement, ça veut dire que nous prenons déjà, c'est confirmé. Ce n'est pas seulement, non, ne me passez pas de mots, mon frère. Ce n'est pas seulement le contrôle du port que le gouvernement, que l'État va le prendre. Ce n'est pas seulement le contrôle centre-ville de Port-au-Prince. Ce n'est pas seulement le contrôle de l'entrée nord de la capitale. Ce n'est pas seulement le contrôle de l'entrée sud de la capitale. Ce n'est pas seulement le contrôle de l'artisanat, sinon c'était quelques zones. Ce n'est pas seulement ça. Mais ça que nous sommes capables de rappeler et reprendre aux populations, tant que le ministre
Daikoni Dili, l'État pral reprendre contrôle pays ya, caille par caille, quartier par quartier, et ville par ville. Mais oui, très bien, c'est un message ça, l'irrivé et soumounio et mounio vraiment apprécié, malgré yo extrêmement impatient. Mais malheureusement, porte-parole, on n'a pas la réponse à cette question. Et hier, tout le monde a gagné plusieurs blindés qui descendent avec des soldats sous l'armée d'Haïti, la police et soldats et ou bien policiers kenyans. Et mais nous pas jamais, la population pas connaît. Est-ce que son zone nous a récupéré? Est-ce que c'est un ballon d'essai? Est-ce que c'est des espaces que nous devons occuper pour nous reprendre? Personne beaucoup jamais dit nous qui ça bagarre la Henri, qui intérêt ou gain en reprise ou pas de questions sur là. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Par contre, vraiment qui intérêt ou gain dans mais laissez-moi vous dire quelque chose. La communication en temps de guerre est stratégique. Et extrêmement stratégique. Mais fort confiance, mais fort crédit pour le nombre de temps qu'on gagne dans le métier et pour se représenter dans le métier. Il y a un bagage que le premier ministre dit dans la déclaration dans la nation. Il a adressé à la presse pour lui féliciter la presse pour le travail qu'il a fait. Mais, à zami journaliste, nous, qui souvent, par innocence, mais aussi par dévouement, par détermination, souvent, qu'on mettait eux des champs de tir, mais qu'on est victime de tirs croisés lorsque la police nationale a opéré. Il y a une bagaille pour venir rappeler, pour protéger tête, éviter d'entrer dans le champ de tir. Yo. D'abord, on va faire des reportages qui ont positionné policiers kenyans et haïtiens. Yo. Pour pas bail, bandit, yo sorte d'avance en termes d'information sur ce que le gouvernement ou bien l'État a mené en termes d'opération. Yo. En ce sens, par respect pour cette déclaration d'état d'urgence, nous connaissons que la presse, bien des bagailles, même si l'État n'est pas au courant, par question de responsabilité professionnelle, il n'est pas, c'est pas l'État qui communique sous yon, si c'est pas la voix officielle et autorisée qui communique sous yon, tous les journalistes qui se respectent savent qu'ils ne doivent en aucune façon se prononcer là-dessus. Mais pour prendre ça, le bilan des opérations nationales, du concert avec la force kenyane amenée sous terrain, c'est le gouvernement, les organes officiels du gouvernement qui seulement autorisés à communiquer. Et ça, vous avez parlé de constitution tout à l'heure, Guerrier Henri, ça c'est la loi. Ce n'est pas le gouvernement qui le dit, parce qu'en matière d'état d'urgence sécuritaire surtout, nous connaissons. Il y a quelques libertés qui sont capables de restreindre. Et ça, c'est pour le bien-être collectif et pour le bien de la population. Si nous voulons continuer à parler de déclaration d'état d'urgence sécuritaire 5, le ministre Dr. Gaïkoni fait hier, dans nos gouvernements, et de concert également avec le Conseil présidentiel de transition, hein, c'est un état d'urgence sécuritaire qui décrétait sur 14 communes des départements de l'Ouest, dont la région métropolitaine de Port-au-Prince, gangrenée de criminels. Information fait quoi? Environ 80% de région métropolitaine de Port-au-Prince occupée par des gangs. Et de base antibonite, pourquoi pas de l'antibonite également, côté que bas antibonite, gomban regroupement criminel, cap taillé banda. Et, quand on nous a dit au début de la conversation, ça n'a fait à Soya, état d'urgence, ça qui décrété à, c'est une façon pour l'État capable de gagner moyen de politique pour lui agir contre criminels qui empêchaient Timoun aller à l'école, qui empêchaient femmes enceintes de trouver l'hôpital pour acheter, qui empêchaient professionnels de travail, qui empêchaient même secteur culturel de fonctionner. La guerre est déclarée à travers cet état d'urgence sécuritaire contre les fauteurs de troubles, et les bandits, seulement ceux-là qui portent les armes. Justement, oui, en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Bon, tout dit, auditoire, boucanté la parole, la capcouté, sous tout réseau, UNIFM, Mega, et réseau Iwondel, et selon porte-parole primaturin, monsieur Desaugus, qui dit nous, piga, en aucun cas, nous prenons information capsouti dans le pays Kenya, source officielle, c'est l'État haïtien.
gagner ça la presse kenyan a relayé ou bien ça n'importe tweet qui sorti kenyan a relayé il pas engagé l'état haïtien ni action qu'a fait souterrain. Je suis correct. J'ai déclaré là moi pas te dit comme ça mais bon essayer nuancer pour. OK? Parce que en fait la presse kenyan bon côté parle lit quand même la baille des informations avec photo à l'appui et tant coup dernier ça en date là dit que yo quand même reprendre contrôle port et Port-au-Prince là et moi-même moi d'accord avec à 100% et m'apprécie gentillesse ou siffleur que vous voyez pour la presse extrêmement intéressant et mais et ça ou dit hein, pour moi l'extrêmement important seul organe officiel sous crédible sous toute information qui concernait l'état et même opération qu'a mené dans tout ça qui menait déjà qu'a pour mener sous officiel là par l'autre que l'état haïtien nous reprenons le ministre docteur Guy Conning qui déclaré lui ouvertement et vertement adresse à la nation que l'il fait hier qui t'a passé dans le mouvement n'a pas de là. Pas oublier que en temps de guerre, c'est autorité qui doit gagner et qui gagne contrôle information. C'est pas sans raison que fait que m'a parlé avec Loa Soya. C'est dans le cadre de mes missions ça, guerrier Henri, pour nous informer auditoire là, mais informer population de manière générale. Et on a une raison de le faire pour vous, comme professionnel aguerri de métier. Bon, ben, si agence, je dis, non, pour ne pas faire personnalité, je ne vais pas faire personne. Ils ont écrit toute bagaille. Ils ont dit toute bagaille. S'il vous plaît, population haïtienne, et ça, je vous le demande, je vous en supplie, suivez tous les médias haïtiens, nous connaissons qui crédibio, tous les journalistes, nous connaissons qui crédibio, toutes les agences, nous connaissons qui crédibio. Évitez de tomber dans fake news, côté à dire, nous, mais à gauche, mais à droite. Le ministre a demandé ça, il m'a rappelé ça à Soya. N'a prêté tête frette, n'a prêté jam, n'a prêté discipliné et n'a suivi signe autorité. C'est une raison qui fait que n'a adresse à la nation ça. Docteur Guy Conning, premier ministre haïtien, chef de gouvernement, donc, mandé population en collaboration. Dans 14 communes, côté que état d'urgence en décrété, hein, nous connaissons que ça peut arriver des moments. Tout le monde est capable de circuler dans le même moment ou bien à des heures bien déterminées. C'est conséquence si l'état d'urgence ça. En tout cas, état d'urgence ça que le gouvernement prend ou bien déclaré. Nous connaissons qu'il y a des gens si les soirs ont fonctionné, chauffeur taxi moto, mon cabane de manger, mon cas fait toute activité professionnelle, etc. Nous connaissons secteur informel là, les fonctionnaires la nuit dans le pays de manière générale, mais dans la région métropolitaine de Port-au-Prince de manière particulière. Moun sa yo pral obligé coopérer avec l'État. Parce que pour qui est-ce l'État a agi, c'est pour yo. Ça arrive, même si nous connaissons un moment d'état d'urgence, la police, l'armée, les médecins, les journalistes, même les avocats, c'est-à-dire guindep socioprofessionnels qui ont un droit à circuler pour des raisons bien déterminées. Mais ou même guerrier Henri, qui est dans le studio aujourd'hui à la. Nous manquons collaboration et coopération. On prend exemple sur justement, des Auguste, en demi-seconde, moi, je voulais collaborer puisque moi, fait confirmer et ça qui information réelle là, qui gagne un support pour Port-au-Prince là, mais pour stratégie et pour bien-être paysan, nous pas diffuser. Je viens d'avoir les informations précises. Félicitations. Mais pour bien-être paysan, pour bien-être PAM. Nous pas diffuser information de ce question qui passait dans POA aujourd'hui, parce que, en fait, ce débat est stratégique, curieux, et, félicitations. Nous pas diffuser. Nous mettons continuer. Félicitations. Nous dit que, nous connaît que, population pas obligée collaborer, coopérer. Et encore félicitations à vous-même. Parce que ça qui arrivait pendant qu'on quittait l'émission là, la police ghetto. Pas bien que nous sommes en temps de guerre. Et la police ghetto. Même si vous êtes les guerriers Henri, nous avons passé tout commentaire, c'est camper pour camper. Faut faire confiance à la police, nous comprendre qu'il y a un pile nuance, un pile confusion, mais il y a là, faut que nous mettions toute confusion pour nous rendre au cabas. Faut coopérer, les hommes de côté sauté, c'est gentiment à répondre, moi-même c'est guerrier Henri, moi saute faire émission, les hommes de présenter Badjou, ou obligé de présenter Badjou, c'est gagné la question d'état d'urgence sécuritaire. Alors nous avons dit que, c'est là que la population elle-même doit faire montre de sensibilité, mais aussi et surtout de compréhension.
grand monde, demandez-nous expliquer à Timounio qui sa situation en Yéjoudia et qui sa qui est en état d'urgence. Nous demandons à la famille également, tant que le Premier ministre Andini, prendre toutes mesures nécessaires pour capable ranger Cabanio avant ou bien dominer parce que l'État est en guerre contre les criminels qui empêchaient le pays à fonctionner et écouler. En tout cas, dans le cas de l'état d'urgence, ça, m'écoutez-vous, Mais continuez. Dans le cas de l'état d'urgence, ça, nous connaissons, le Premier ministre Andili, c'est pas du jour au lendemain que le problème n'a pas le résoudre. Ça m'a dit patience, ça m'a dit également compréhension, mais tout. Il y a un bagage, Premier ministre t'a dit, et nous voulons reprendre ni à soi. L'important, c'est pas tout et personne. Mais l'important, c'est de ramener l'ordre et la paix dans la cité. C'est pour ça, Premier ministre, Dr. Gary Koningili, et moi reprendre lui. Monsieur Kapsime la trouble, qui empêchait femme enceinte à l'hôpital, qui empêchait Timon aller à l'école, qui empêchait professionnel travail, qui empêchait secteur privé des affaires à fonctionner, qui empêchait Mounge Dominanger, qui a kidnappé, qui a violé, qui a tué, nous avons seule chance. Déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État. Parce que l'État déterminé pour reprendre contrôle territoire qui se contrôle bandillo, caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Vraiment, dernière question, puisque moi connais et c'est possible, il y a l'autre des choses possibles que Negio envie de déposer les armes, mais c'est déposer en bas à Banyo, mettre l'on côté pour ne pas déranger les gens et reconnaître que l'État et puis la vie continue ou bien remettre les armes. Ça l'autre dit déposer là n'est cap côté al connaît que zamni nan men li fouille dans bacabane li fouille tout le mettre li déposer li cherche un galata li fouille li mettre sous galata li cherche un côté quand même pour le déposer. Est-ce que population doit comprendre déposer c'est mettre zamna à terre quelque part et puis la vie continue ou bien c'est remettre zamna? Comment mounyo doit comprendre ça puisque à plusieurs reprises Premier ministre Gary Koni toujours parlé déposer zam et reconnaître autorité l'État. Déposer, vle di ki sa, parce que moun nou comprenne ni kon sa, c'est déposer ou bien remettre. Nous connaissons des structures qui encore opérationnel dans ce sens ça. Par exemple, CNDDR, toujours opérationnel. Nous connaissons tout, dans le discours, dans l'adresse à la nation que le Premier ministre a fait hier soir, là, que la presse a brûlé et nous dit merci pour ça. Le Premier ministre clairement, on travaille pour nous renforcer capacité la justice, pour nous encore renforcer indépendance de la justice, pour que la justice puisse faire travail. Pas oublier que, derrière Henri, même s'il y a un pile de confusion sous ça, nous sommes dans un état de droit. Et m'attendais au cas qui t'a parlé sous ça, il dit que dans un état de droit, et dans une démocratie, c'est la loi qui prévaut. Et c'est la loi qui parle. C'est ça que fait lorsque on ne pas respecter la loi, c'est la loi qui frappe. C'est pas M. un tel, c'est pas Madame une telle, tu n'es pas un conseiller président, tu n'es pas le premier ministre qui va frapper, mais c'est la loi. Donc, nous connaissons, la justice élève une nation. Monsieur connaît que il y a des structures qu'il a déjà, ou même Gary Henry, ou qu'on est des structures qui opérationnelles et qui prêts à collaborer dans ce sens ça, pour tout le monde qui veut faire, mais à pas reconnaître tout tort que vous faites à société, hein. Il y a des structures qu'il a pour ça. Et nous connaît CNDDR, qui est en des rapports, il y a des travails que il fait sous ça, ou déjà. Monsieur connaît qui chemin pour nous prend. Et nous rappeler ça, déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Et là, il n'y a pas qu'une éternité pour faire ça, pour le Premier ministre, Dr. Gary Koni dit ça. Il y a un titan tout coûte. Pendant justement, on a dit qu'il y a un titan tout coûte qui pour faire ça, gagner et l'homme au Saint-Jour qui, et je dis, on m'a signalé ça, exhibé et nouvelle cargaison qui fait qu'entrer, moi, tu es capable de remarquer dans la paix, montrer, la présenter avec l'opinion et plusieurs Kadashnikov avec l'autre gros et zam fun fois gros calibre la guerre
que la présenté jodi an pendant que ou di ou pa gran pile temps on ti temps tout coûte et puis nèg yo a continuer acheter zam pour capable renforcer tête yo. C'était quand même un signalement et second dernier parole ou a dit porte-parole avant nous refermer entrevue ça c'est qui ça. Sous l'exemple sur ce point-là, un petit proverbe français qui dit, c'est le chant du cygne. En cœur, le dit, les bêtes la poêle mourir, c'est les sales plus méchants, et puis tout le monde, en bon créole. Dernier mot, notre capable dit, c'est que ça qu'a fait aujourd'hui, la population haïtienne, décision et engagement, ça que le gouvernement prend de concert avec le conseil présidentiel de transition, c'est pour nous. Et destin nous amène aujourd'hui, dans l'état d'urgence sécuritaire, déclaration ça que le Premier ministre Dr. Gary Conille fait, l'imandez-nous collaboration, nous. Je dis à ces jouets ou ch'palais. Comprendre que l'autorité ou pas le passer des consignes qui certainement qu'a empêché le monde circuler, faire des actions bien baquées à occupation comme ça a été qu'on fait avant. Mais nos titans qui pas trop long n'a pour résultat, yo. L'autre bagaille, il t'a remédié, je dis à plus que jamais, population de comprendre que son gouvernement de transition cap agi. Et gouvernement de transition, l'idée entend tout pour l'agir. Deux, et nous pas gagner 2 ans encore. 2 ans. Et pour 2 ans, ça, il y a 5 grands chantiers. Qui c'est d'abord le rétablissement de la sécurité. Ensuite, la conférence nationale. Troisièmement, gagner le redressement économique. Quatrièmement, gagner s'annuler la réforme constitutionnelle et surtout l'organisation d'élections. À côté de tout ça, gagner la crise humanitaire pour que le gouvernement adresse de concert avec le conseil présidentiel de transition. Pour cela, nous prenons agir et nous commençons à agir vite, mais aussi et surtout bien. Mais les 2 chantiers, des chantiers, nous connaissons que c'est rétablissement sécurité, hein? Rétablissement climat sécuritaire là et l'organisation des élections. Pour ça fait, nous demandons tout le monde, dans nom du ministre Dr. Gary Conille, pour capable pour te mettre en patte là. Mettez mettre en patte là pour nous capables de faire travail là ensemble. C'est pour ça que Dr. Gary Conille n'a pas passé 1 seconde, 1 jour sans que l'État n'ait activité. La rencontrer, que ce soit secteur politique sous accord 3 avril là et sous ce grand chantier, ça nous parler là. Les rencontrer secteur économique, les rencontrer secteur patronal. On nous dit les rencontrer presque tous les secteurs de toutes les forces vives de la nation pour être capable de parler avec eux. Mais qui côté lié, mais qui côté lié sorti, mais qui côté lié poilé. En tout cas, j'ai mis un long, mais nous continuons tout temps tout coûte. Nous besoin d'appui, solidarité, unité. Pour nous retirer PIA dans le Kachouboumbe que nous trouvons aujourd'hui. Merci un peu, Jean-Jules Desaugus, porte-parole, Premier ministre Gary Conille. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, Gary Henry. Merci beaucoup à peu près ici. Si tu as écouté nous, Zio, Kimbe FM, va nous voir absouffler. Le bail est fait noir. C'est il prend le jour et c'est dans le moment ça nous est. Merci beaucoup tout. Merci un peu. Il fait noir quelque temps, soleil là apparaît, il veut aller encore. Est-ce que nous devons toujours espérer? Est-ce que nous toujours devons croire? C'est quand même pas ça et qui vient joindre nous très souvent, mais nous avons quelque temps depuis n'a souffri, quelque temps depuis n'a pas soleil là qui a arrivé. Mais soleil là toujours gagne du mal pour arriver. Job pas de parole nous toujours dit dans tout pays pas jamais facile. Et pas oublier, c'est poté, parole. C'est pas parole parle, c'est parole pour les ministres. Ça qui arrive ouvert, puis il faut avoir des questions posées. Et puis, excusez, les fêtes si vous couchez parce qu'il y a un message spécifique. C'est pas un job qui est facile. Herbert Joseph, bonsoir, comment est-ce? Allô, Herbert? Bonsoir, guerrier. Oui, oui, est-ce que vous allez bien? Ah, Herbert, vous allez acheter votre téléphone. Herbert, dis-moi, où est le nouveau téléphone? Vous d'accord avec moi? Oui. Pas c'est clair là. Ou de plein trop. Pas c'est clair là, Herbert. Comment est Herbert? Bon, nous très bien. Par la grâce. Et vous-même? N'a pas kembe, n'a pas lutté, nous en terre, nous dans le pays, n'a pas observé, mais en 1980.
nous autres féliciter téléphone dans la m'bako et lui-même il parle monsieur il parle lui-même et en 1986 même dans début même dans fin et année 80 yo nous dans 88 89 gen moun ki di que Haïti te un pays côté que moun te ka marcher libé côté que c'est vrai que l'armée était là, c'est vrai que tu as gagné plusieurs coups d'état, mais mouvement gang armé, gang à gauche, groupe et civil avec zam nan men yo, même si nous pas voulons remonter en 1980 avant 86 côté que tu gagné VSN Makout, mais gen moun qui était quoi que c'est ton bagage qui était bien réglementé. Mais Herbert Joseph ou accroché avec Haïti hein, mais tout ou suivre politique pays a depuis un bon bout de temps sorti dans région Antibonite rentrer dans Port-au-Prince et monter États-Unis d'Amérique ou toujours été accroché avec Haïti si aswea ou t'a fonti historicité ou t'a permet moun yo comprendre dans quelle période gang commencé établir vrai groupe armé civil commencé établir et sous qui président ou bien sous qui régime sous qui administration bagaille ça a commencé monter baljaret et essayer situer pays à auditoire qu'à côté là pour au moins pour l'histoire la jeunesse était capable comprendre côté phénomène ça sorti. Merci Herbert Pascoe avec nous. Bon, c'est un plaisir. Guerrier, il y a une bagarre qui vient niveau fait ce deal tout et moi que ça fait connait c'est une extension de commencement émission parce que émission commence son principe de corruption. Et corruption, qui ça veut dire? Quand c'est de mon pays, il y a différentes classes sociales qui sont dans le pays, ou même toujours voulu gagner un contrôle ou bien monopole ressources qui sont dans le pays, par tous les moyens possibles. Donc, à partir, sous besoin d'historicité, mais c'est le gang l'armée d'Haïti, l'armée, pourquoi on parle la police, soit par définition gang, c'est un gang qui est dans le même dispositif lié pour l'ordre. Mais l'ovingé, la disparition, surtout disparition de l'armée, il y a tellement de l'armée d'Haïti qui sont forces régulières. Et bien, il y a une nécessité pour différents groupes politiques qui sont dans le pays à eux-mêmes réussir à contrôler les ressources ou bien pouvoir accès à pouvoir politique. Le commencement, définitivement, les formes télé, côté que l'IA, c'est à partir de démantèlement de l'armée d'Haïti. Le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide a une nécessité pour le contrôle du pays. Occasion, j'ai le fameux discours, je veux, je peux, je suis le principal responsable de la sécurité de tous les citoyens, etc., qui c'est correct. Mais excepté le pari là, mais là, on vient obliger, instituer différents types de petits lamés, tant que l'armée dominante boit, l'armée, c'est tout le bon, mais, monsieur, cerveau qui t'a pensé avec petits lamés, ça, t'es pensé à carrer contrôle, yo. Et dans une certaine mesure, il y a un contrôle certain de différentes forces qui étaient là, leur pavé, l'étendue de l'ordre, un pile n'a été qu'on périt. Mais, et là, ça a tout abjoint que, même toi, dans le journal ancien, ou après que, t'as une allégation de zone, de zone, de ghetto, ou, pour dire que, il y a un jeune petit monde qui t'a commencé à gagner des âmes dans le monde. Donc, progression vient faite. Côté que c'est pas seulement gouvernement, c'est pas seulement question comme si président. N'importe si élection qui vient faite après ça, des gens qui sont capables d'accéder à pouvoir, qui sont députés, qui sont sénateurs, etc., ils cherchent un groupe de gens qui sont armés. Et puis ils viennent la guerre, ils sont sans contrôle. Ça veut dire que les bandits qui sont dans la rue, ils ont fait le gros nègre à cravate, gros nègre à veste, qui sponsor, et bien aux âmes, support et tout le monde qui fait que exister. Donc, moi-même, souvent, je ne trouve ça que là, aujourd'hui, à part rapport avec ça que tu as déjà, même là, c'est après le démantèlement de l'armée d'Haïti, qui vient prendre en plus ça. Et moi-même, maintenant, des discours différents et interviews de chef gang ou bien principal monde qui porte-parole qui a parlé, comme on était dit l'autre jour sur l'autre station, que parti discours à côté à parler d'une société d'exclusion, d'une société qui pague un soin de santé, en totale négligence ou abandon total de zone ghetto, ou bien zone où il y a plus misère dans le pays qui est abandonné par l'État.
absence d'état apparaît, donc le même mot, il a cherché défendre tête. Pas un problème avec partie ça parce que c'est vérité. Le problème avec eux, c'est deuxième partie à qui on va parler. On nous dit par exemple, vous pas jouer nous, c'est de l'école pour. Créole pour moi, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, créole pour moi là, créole pour moi, chapeau, félicitations, nous pas besoin de bouquet, félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon. Créole pour moi, SPS, son choix lié. Et moi, c'est créole pour moi, SPS, fait choix par le. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans grand souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus grande plateforme. Plus mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagaille Jean Yoyia. Toujours abonné. Toujours partager. Toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à aimer et qui sont plus tôt. Créole pour moi, sans en souffle. Ciao.